Good morning, allez, Idan, les sujets aujourd'hui, le Nishmat, Dov, Ben Yudit, et la Taramram, Ben Chedva, Yester, Bat Miriam, Mitzrek, Perez, Ben Fortuna, Femichel, Ben Sultana, si vous savez, vous souhaitez une prochaine étude du Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions, Mesrach, Shabbat, Perikud, Gimel, Mishnah, Dalet, Shiura, Mela, Ben, Vea, Menapetz, Vea, Tsove, Avea, Tove, Kemelo, Rochav, Asit, Kafoul. Vea, Oreg, Shnei, Choutim, Shiuro, Kimlo, Asit. Mishnah qui va nous préciser. La quantité requise pour transgresser les interdits en rapport avec les fils. D'accord? La fabrication du fil jusqu'à le tissage. Et je commence à traduire. Shiur amelaben, la quantité requise pour laver un fil même. Ou encore vamenapetz, pour carder la laine par exemple. Vous savez, pour la fabrication de la laine, ou le lin même, les habits en lin, on frappe la matière première, ça peut être la laine du... On va la peigner si c'est de la laine, ou si c'est du lin, on va frapper le... Il y a aussi une manière de peigner, mais plus en frappant, en éclatant en fait, ça s'appelle ça menapetz. On va fabriquer plein de petites fibres, et puis après avec ces fibres, on va être tové. Mais avant de les tové, avant de les tisser, on va d'abord faire vatsovea, on va les teindre. Ou encore vehatové, et après on va les tisser pour en faire des fils. La quantité requise, elle est de kemlo rochav hasit kafoul. Elle est comme la largeur du site double. Alors le site, c'est la largeur entre les deux doigts, l'index et le majeur. Mais d'abord, j'explique un petit peu mieux. Vous êtes déjà bien habitué depuis longtemps maintenant. Le transgresser à Shabbat une melacha, on transgresse dans les 39 travaux. Pour la plupart, il y a des quantités minimales requises pour qu'il y ait un travail conséquent. Un travail qui suffise pour que ce soit quand même quelque chose d'assez conséquent. D'accord? Donc il y a des quantités requises. La Mishnah est en train de m'enseigner ça, que pour tout ce qui est en rapport avec la fabrication du fil, il faut qu'à la fin, hein, tu obtiennes un fil qui ait une largeur de deux fois le sit. Alors le sit, c'est la largeur entre les deux doigts, l'index et le majeur. D'accord? Vous prenez deux fois cette largeur, vous avez un fil de je ne sais pas combien de centimètres, je n'ai pas calculé. J'imagine que ça doit faire à peu près l'ordre de 15 cm, plus ou moins 15 cm. Eh bien, ça, c'est le fil minimal à fabriquer pour transgresser l'interdit. Donc, de ce fait, tous les travaux qui vont, les travaux préliminaires pour obtenir ce fil, qui vont être la quantité de laine brute à laver, c'est la quantité requise pour que de là, tu vas pouvoir en tirer un fil de cette même longueur de 15-20 cm. Et idem pour Menapetz, la laine brute à peigner, combien est-ce qu'il faut que tu peignes pour transgresser l'interdit, de quoi fabriquer au final un fil de deux fois de deux sites, un site double, site en hébreu, ouais. Et ou bien idem pour te sauver à atteindre quelle quantité, de quoi fabriquer ensuite un fil qui fait cette largeur de 15 cm. Et idem aussi pour trouver le tissage qui est cette fois-ci, tu vas concrètement aboutir au résultat, avoir le fil. Il faut que tu aies fabriqué un fil que de deux fois le site, donc la largeur entre les deux doigts. Précision intéressante du Barthénois, et j'ai fait l'expérience, et ça ne marche pas du tout, j'en suis bien déçu, c'est que le Barthénois, l'Agma le rapporte en fait, c'est que la largeur entre le pouce et l'index, si je ne me trompe pas, peut-être c'est ça la réponse justement, Ben Goudal la Etzba, ouais. Une fois la largeur entre le pouce et l'index, c'est deux fois la largeur entre l'index et le majeur. Alors je sais pas, est-ce que j'ai les doigts tellement souples ou pas, mais j'y arrive pas, ça me fait j'ai quand même, j'ai plus d'espace, un espace plus grand entre l'index et le majeur que entre le pouce et l'index. La Mishnah en tout cas nous dit que dans cette largeur-là, entre le pouce et l'index, il y a deux fois la largeur de l'index et le majeur. Apparemment, j'imagine qu'il fallait pas attendre les doigts tellement, mais alors à quelle distance, je sais pas. D'accord. Ensuite, on continue avec Oreg Shnechutin, celui qui va... qui va tisser le fil cette fois-ci. Une fois qu'on a le fil, on doit le tisser. Pour... La malacha qui va suivre, ça va être le tissage du fil. Eh bien, la Mishnah me dit, sache que tisser le fil, alors, vous vous rappelez que déjà au début du pérec, on avait eu la quantité de fil à mettre. Est-ce que c'était deux fils, ou bien trois fils, ou même un fil, selon Rabbi Eliezer? Là, on s'intéresse sur Chachamim qui nous demande de faire deux fils. Sur quelle largeur, je te demande de le faire? Largeur de Chiuru Kemelo Asit. Sa quantité requise sera celle de un sit. Un sit, ça veut dire une seule mesure entre l'index et le majeur, mais cette fois-ci avec deux épaisseurs, deux fils que tu as mis pour faire ça, pour faire cette largeur-là, tu as transgressé déjà l'interdit de tisser à Shabbat, parce que c'est quand même une manière conséquente qui peut servir ailleurs,
Dans certains cas de figure, on a besoin juste d'un petit bout de tissu avec deux fils qui font juste cette épaisseur-là, pour en faire un petit fil joli. Donc du coup, c'est fixé selon cette mesure-là, de avec un seul site, avec deux fils de deux épaisseurs de fil, d'accord. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, salam.